Attendez, voilà, ça y est, c'est l'autre. Là, on sera un petit peu serré, mais ça ira bien. J'en suis. C'est pas beau et ça pue ici. Je veux pas rester, je veux aller avec maman. Oui, d'accord, on ira la trouver. J'ai faim. On va manger bientôt. Et puis ils sont méchants, ils font que crier les gens. Et ils crient parce que le premier prix c'est un tank, tu comprends? Alors ça fait envie à tout le monde, alors ils sont obligés d'être durs. Maman, quand est-ce que je pourrais la voir? Et quand on aura fini le jeu, hein? Et quand est fini le jeu? On a besoin de faire 1000 points, voilà. Le premier qui arrive à faire 1000 points gagne un vrai char d'assaut. Je te crois pas. Quand est-ce que j'aurai mes tartines? Tu veux des tartines? Je demande, hein. Il suffit de demander. Tiens, regarde ici, c'est tous des amis ici. Tiens, regarde, lui là, là comme, c'est... Bartholoméo. Bartholoméo, ben dis donc, excuse-nous, il est déjà passé celui qui donne le pain et la marmelade, hein? Ah, oh, c'est bête ça, on est arrivé trop tard pour le goûter, ça. C'est idiot, hein. Il repasse un peu une deuxième fois, non, pour ceux qui ont... hein, c'est ça, ben oui, il repasse. Achtung! Achtung! Qu'est-ce qu'il a dit? Il cherche quelqu'un pour traduire. Il va expliquer les règles du camp. Tu parles allemand? Non. Alles Herren, ich sage das nur einmal. On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut. Um zu arbeiten. Sacré vénard. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur là. Et chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la mention Anne sur un carton accroché dans le dos. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Dans trois cas, on peut perdre le total des points acquis. Premièrement, tous ceux qui se mettent à pleurer. Deuxièmement, tous ceux qui demandent à voir leur maman. Et trois, tous ceux qui se plaignent d'avoir faim et qui demandent un goûter, aucun goûter! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Et on a vite fait de perdre des points parce qu'on a faim. Pas plus tard qu'hier, j'ai moi-même perdu 40 points parce que j'avais cassé les pieds à tout le monde pendant une heure pour avoir de la marmelade. Gehorsamkeit ist alles. À la confiture d'abricot. Und noch etwas. Et lui, à la fraise. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell! Ah, et toutes les sucettes sont interdites. C'est pas la peine de réclamer, on n'en donne pas. On les mange toutes. Antreten in zweierlei. Hier, j'en ai mangé une vingtaine. Schwein! J'ai assez mal de ventre. Jeden Morgen. Mais je me suis régalé. Is Appell. Ça a valu le coup. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimension des Lagers leicht begreifen. Excusez-moi de vous fausser compagnie, mais aujourd'hui on joue à cache-cache et si j'y vais pas, je vais même faire engueuler. Excusez-moi. Non, ne demandez rien à moi. Renseignez-vous auprès de Bartholoméo, oui, c'est tout. Lui, il va vous expliquer et puis après vous m'expliquez à moi parce que. 1000 points. On va pas s'ennuyer, hein. Je te l'avais dit.